Hello les Mifas! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis trop contente, on va parler des filles. Attention messieurs, ça va piquer. Et de ce qu'elles pensent réellement des mecs au lit. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement dû voir cette story passer. J'ai demandé aux filles en story Instagram il y a quelques jours de me dire ce qu'elles pensaient réellement des mecs au lit. Voilà, si c'était plutôt du positif, du négatif. J'ai retenu pas mal de choses, du positif mais aussi du négatif constructif pour que vous puissiez vous améliorer messieurs. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Mais avant qu'on en parle à Mifa, j'aimerais vous inviter sur ma chaîne YouTube Gaming. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai ouvert une chaîne gaming il y a maintenant 2 semaines et je poste plusieurs vidéos par semaine et surtout, c'est ça qui est intéressant, dans la vidéo que vous allez voir juste ici, je demande à mes abonnés de balancer leur pseudo Fortnite et que j'ajoute tout le monde. Donc je vais vraiment ajouter tout le monde pour pouvoir jouer avec le maximum d'abonnés. C'est sous les commentaires de cette vidéo que ça se passe, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne gaming. Le lien est en description, c'est la dernière vidéo. Vous cliquez, vous lâchez un pouce bleu au passage et vous balancez votre pseudo en commentaire. Je viendrai jouer avec tout le monde. En tout cas, j'ajouterai tout le monde. Voilà. Bref, maintenant que ça s'est dit, on va passer à la vidéo. Voici ce que pensent réellement les filles des mecs au lit. C'est parti. Alors, j'ai reçu énormément de messages, d'avis féminins, mais j'ai retenu un peu de positif et aussi un petit peu de négatif. Alors, le premier message, c'est une fille qui me dit « Ça dépend du type de mec. Il y en a qui sont attentionnés à l'écoute du langage corporel. » Et alors là, messieurs, si clairement vous voulez être un bon coup pour une fille, il faut absolument que vous soyez attentif à son langage corporel. Si vous lui faites quelque chose, que ce soit en préliminaire ou pendant rapport pénétration, essayez vraiment de regarder, de sentir ce qu'elle ressent et de voir si son corps répond plutôt par un oui ou par un non. Je pense que ça se voit chez une fille, quand c'est agréable, vous allez le sentir. Et si c'est désagréable, vous allez le sentir aussi. Voilà. Ensuite, prochain commentaire d'une fille, c'est un avis assez négatif. C'est une fille qui me dit « Ils sont souvent égoïstes. » Et là, c'est vrai que ce truc-là, que les mecs sont un peu égoïstes, qui pensent qu'à leur plaisir, qui sont plus concentrés sur leur plaisir et pas sur celui de leur partenaire, il y en a eu un nombre innombrable, malheureusement. Voilà, donc messieurs, encore une fois, si vous voulez être un bon coup, essayez d'être à l'écoute de votre partenaire, de son langage corporel, et essayez vraiment de vous concentrer sur son plaisir et pas sur le vôtre. Voilà, je sais que pas tous les garçons qui penseront comme ça, mais la plupart des filles aiment qu'on s'occupe d'elles et qu'on s'occupe de leur plaisir. Voilà. Ce qui est assez normal. Bref, prochain avis, c'est une fille qui me dit « Les mecs bâclent trop les préliminaires, la phase d'excitation. » Alors, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos sur la sexualité, les femmes et les hommes ne réagissent pas à l'excitation de la même manière. Un homme, il va directement bander quand il est excité. Une fille, elle a beau être excitée, il faut d'abord que ça se passe un petit peu dans son cerveau, dans son imaginaire, de la mettre un petit peu en forme, pour qu'ensuite, là en bas, ce soit prêt à entamer une relation sexuelle. Mais sinon, ça n'est clairement pas possible. Je compare toujours les femmes à un moteur diesel, on y va petit à petit et il faut faire monter la phase d'excitation. Donc que ce soit par les préliminaires, que ce soit par les câlins, les bisous, vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez pas y aller directement comme ça. Ça n'aura pas le même effet que si vous prenez le temps, messieurs. Ralentissez. Voilà. Ensuite, prochain avis d'une fille, c'est une fille qui me dit soit ils osent pas, soit ils osent trop. Alors, voilà, je pense que j'ai rien à dire à tout qui est dit. Ensuite, prochain avis, celui-là m'a fait vraiment extrêmement rire. C'est une fille qui me dit ils font les connaisseurs, les confiants, alors qu'au fond ils sont pas sereins du tout. Et là, c'est vrai que je repense un petit peu à ça, mais les mecs, vous avez quand même un peu plus de pression que nous les filles, parce qu'entre guillemets, vous devez faire plus de boulot que nous, surtout durant la pénétration, etc. Donc, c'est un petit peu compliqué, surtout que dans notre société, c'est les hommes qui font les pas, les premiers pas en avant, etc. Donc voilà, nous on s'en rend compte, ne vous inquiétez pas. Parfois vous faites un peu les mecs confiants, mais vous êtes pas très bien, quoi. Il y a la goutte de sueur qui tombe. Mais en vrai, c'est trop mignon. Voilà. Ensuite, prochain commentaire, c'est une fille qui me dit ils veulent aller trop vite. Et là je pense que c'est un commentaire qui rejoint ce que je disais sur la phase d'excitation, qu'il fallait prendre un petit peu plus de temps quand on essaie de faire démarrer une fille pour avoir un rapport sexuel. Vous voulez aller trop vite, vous voulez directement avoir votre plaisir et terminer le rapport,
alors que nous on a besoin de plus de temps que vous. C'était démontré scientifiquement qu'une femme a besoin d'énormément plus de temps qu'un mec pour ressentir du plaisir sexuel. Donc voilà, step by step, on y va tranquillou, que comme ça que vous ferez vraiment du bien à votre partenaire. Voilà, ensuite, prochain commentaire, celui-là il est revenu en masse, mais quand je vous dis en masse messieurs, et je trouve ça assez triste, il est revenu en masse. C'est des filles, voilà, qui me disent, les mecs en général pensent que toutes les filles sont des actrices de film X. Une autre qui me dit, pas mal se croient trop dans les pornos, donc pensent que le plaisir des filles c'est le vagin. Alors, c'est vrai que dans les films porno, la plupart du temps, c'est la pénétration qui est mise en avant déjà. Et je dois vous dire qu'il n'y a pas que par la pénétration que les femmes prennent du plaisir. Il y en a même un tout petit pourcentage. Voilà, il faut pas oublier le clitoris. Je vais pas vous faire un cours d'éducation sexuelle. Allez voir d'autres vidéos à moi si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Mais il ne faut absolument pas faire comme dans les films pornographiques. Juste ici, je vous mettrai la vidéo, ou juste là, je sais pas trop, où je vous donne mon avis sur la pornographie. Allez y jeter un coup d'œil, ça peut être ultra intéressant parce que, bah, très clairement, le plaisir féminin, ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans les films porno. Et malheureusement, de nos jours, les gars, vous êtes la plupart du temps éduqués aux films porno. Je dis pas tout le monde, évidemment, je fais pas de généralité, mais il y en a qui se croient vraiment comme dans des films porno et une femme ne prendra pas de plaisir comme ça. Voilà, point barre. Ensuite, prochain commentaire, c'est une fille, encore une fois, qui me dit « Ils ne font pas assez attention à ce que ressentent les femmes. » Là, je pense que c'est un des commentaires qui rejoint le premier qu'on a vu, qui disait que voilà, il fallait faire attention au langage corporel, etc. Sachez, messieurs, que plus vous faites attention à notre langage corporel, plus vous allez en apprendre des choses, et mieux ce sera pour nous. Ensuite, prochain commentaire, c'est une fille qui me dit « Les gars au lit, ils veulent toujours que leur performance soit parfaite. » Là, les gars, c'est encore une fois une pression de la société, que la société vous met sur les épaules. Vous devez être parfait, vous devez ne pas terminer trop vite, vous devez faire les choses bien. Et je sais que c'est une pression énorme qu'on n'a pas, nous, les filles, sur les épaules. Mais vraiment, relaxez-vous, essayez de trouver une personne, un partenaire ou une partenaire sexuelle qui ne vous juge pas. Je pense que c'est très important, surtout pour les premières fois, pour que vous soyez à l'aise dans votre corps et qu'il n'y ait pas une pression de « Ah, je dois faire ça comme ça, je dois faire ça bien, je dois pas venir trop vite » et puis nanani nanana. Relaxez-vous, au pire, si vous venez trop vite, vous recommencerez 2 heures après, on s'en fiche, on prend le temps et essayez vraiment de miser sur les préliminaires pour durer un peu plus longtemps dans la phase d'excitation. Faites kiffer vraiment votre partenaire et le fait que vous durez un petit peu moins longtemps, bah, en fait ça jouera plus, on s'en fichera. Donc voilà. Ensuite, prochain commentaire, c'est une fille qui me dit qu'on devrait plus communiquer pour savoir les plaisirs de l'autre. Et là, je ne peux être que d'accord. Je vous le dis tout le temps dans mes vidéos qui parlent de sexualité, il faut absolument communiquer avec l'autre. Chaque femme est différente, chaque homme est différent. C'est pour ça qu'on peut pas vraiment faire de généralité et que je n'en fais pas dans cette vidéo. Je vous donne juste les commentaires. Mais essayez vraiment de communiquer, de savoir ce que votre partenaire aime, les gars. Parce qu'il y a des filles, elles seront toutes différentes. Vous pouvez pas faire quelque chose à Michel et Mireille, s'il faut, elle aimera pas du tout ce que Michel aime, et inversement. Donc vraiment communiquer sur la base, et si vous avez un peu honte de communiquer pendant le sexe, essayez de prendre des moments juste avant, juste après pour faire un petit briefing, ou pour dire ce que vous avez aimé, pas aimé, ce qu'il faudrait améliorer. Vraiment, n'hésitez pas. Prochain commentaire, c'est une fille qui me dit qu'il devrait avoir un peu de sensualité au début de l'acte pour que l'adrénaline monte. Là encore, c'est un commentaire qui rejoint mon histoire de femme est égale moteur diesel, quelque chose qui va avec le temps, que le plaisir monte avec le temps. Là c'est pareil, il faut jouer un petit peu avec la fille, lui faire monter le plaisir, la titiller un peu dans toutes ces zones érogènes. C'est là où la communication est importante pour savoir quelles sont ces zones érogènes. Mais voilà, essayez un petit peu de la titiller avant, je pense qu'elle réagira plutôt bien. Ensuite, prochain commentaire. C'est une fille qui me dit « Chaque partenaire est différent, mais ceux qui aiment te donner du plaisir, c'est les meilleurs. » Voilà messieurs. Maintenant vous le savez, nous les filles, on préfère les garçons qui sont axés sur notre plaisir en premier et qui pensent ensuite au leur. Ça veut pas dire que vous devez pas ressentir de plaisir ou vous devez pas kiffer votre moment, pas du tout. Mais ça veut dire que ce sont des gars qui sont plus à l'écoute de leur partenaire que les autres. Voilà. Ensuite, prochain commentaire, c'est une fille qui me dit « Les mecs, ils veulent pas faire les choses à moitié, ils sont déter au lit. » Et là franchement messieurs, c'est clair qu'on peut pas vous enlever votre détermination au lit. Quand vous avez envie, vous avez envie. Ensuite, prochain commentaire, c'est une fille qui me dit « Ça dépend. Quand le mec est à l'écoute et ne pense pas qu'à son plaisir, là c'est top. »
je vais pas me répéter, vous avez compris. Ensuite, prochain commentaire, c'est une fille qui me dit à l'inverse, je trouve qu'ils aiment recevoir mais ils aiment pas vraiment donner. Et là je pense qu'il existe très clairement deux catégories de garçons, ceux qui aiment donner, ceux qui aiment recevoir. Je sais pas, peut-être liez-vous pour faire une team et mélangez un peu les deux, puis ce sera très bien parce que il faut des deux dans un rapport. Un rapport c'est un échange et il faut pas l'oublier. Ensuite, ah voilà, c'est exactement ce que je disais, c'est une fille qui me dit deux types de mecs existent. Un, celui qui pense qu'à son plaisir, deux, celui qui profite avec toi. Soyez comme les deux, s'il vous plaît, messieurs. Voilà, rien d'autre à dire. Ensuite, prochain commentaire, c'est une fille qui me dit de manière générale, les mecs sont souvent très tactiles là où tu vois. J'ai compris. Ensuite, prochain commentaire, c'est un avis d'une fille qui me dit autant 10 sur 10 quand il y a de la communication, autant 0 quand il n'y en a pas. Et là, je peux vous assurer, messieurs, que quand vous êtes à notre écoute, qu'on vous dit aussi, parce que c'est important que les filles disent ce qu'elles aiment, et quand on dit ce qu'on a envie et que vous faites attention à notre corps, que vous soyez un petit peu à l'écoute, qu'il y a de la communication, c'est le feu. Par contre, quand personne ne s'écoute et qu'on essaie de faire un peu les choses à la one again, vite fait bien fait, je peux vous assurer que le zéro, il tombe vite quoi. Voilà, bref. Ensuite, prochain commentaire, c'est encore une fois une fille qui me dit, un petit peu énervée, pensez à votre plaisir à nous, le rapport ne se finit pas uniquement quand le mec a joui. Et là, je peux vous assurer que c'est encore une fois cette histoire de société et de pornographie qui montre que, tout simplement, quand un mec éjacule, c'est la fin du rapport, c'est la fin du film de cul, c'est terminé, la meuf est laissée en plan même si elle n'a pas eu d'orgasme. Voilà, point barre, c'est la fin du rapport. Je suis désolée, mais non. Soit vous faites plaisir à la fille qui a eu son orgasme avant vous, comme ça après le temps que vous durez, si vous êtes éjaculateur précoce, etc., on s'en fiche, parce que la fille, elle aura quand même kiffé. Soit, si vous voyez qu'elle n'a pas eu le temps de finir et que vous êtes terminé, avant elle, concentrez-vous sur elle, essayez de lui donner du plaisir, que ce soit avec vos doigts, votre bouche, vous n'avez pas que votre 1, voilà, pour lui faire plaisir. Donc le corps c'est varié, les zones érogènes sont variées messieurs, donc je vais pas vous faire un dessin, mais faites autre chose et laissez pas les meufs en plan comme ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Prochain commentaire, c'est une fille qui me dit, ils sont très doux. Ah là là, vous êtes doux et sucrés. Bref, ensuite, dernier commentaire, c'est une fille, et celui-là est ressorti aussi très souvent, qui me dit préliminaire trop court. Les filles, c'est bien connu, on aime les préliminaires, on aime la sensualité, prendre le temps de faire les choses bien, de faire monter le désir, que plutôt de passer à la casserole directe et à l'acte de pénétration. Donc les gars, pour résumer, si vous voulez être un bon coup, pas mal de préliminaires, un petit peu de sensualité, du temps, parce qu'on n'est pas pressé, de la communication, et à partir de là, je pense qu'on a un bon rapport sexuel. Voilà. Du coup voilà la mifa, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et venez me dire en commentaire les garçons votre avis sur les filles au lit en général. Si c'est un avis positif ou négatif, et balancez ça dans les commentaires. Comme ça, nous on saura aussi un petit peu ce que vous pensez. Et surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne gaming comme j'ai dit en début de vidéo. Vous allez me voir dans ma vie, discuter avec vous, jouer avec mes abonnés sur Fortnite. Vous allez pouvoir participer aussi et jouer avec moi. Tout ça se passe sur ma chaîne gaming et le lien est en description. Et aussi, venez me rejoindre sur Instagram pour participer à mes prochaines vidéos de ce genre, pour que je sélectionne votre commentaire. Et c'est aussi là-bas où je réponds à vos problèmes de cœur. Donc si t'as une petite question à me poser, que t'as envie de savoir des choses, que t'as besoin de mon aide par rapport à ta situation personnelle, n'hésite pas à m'envoyer un message et à me rejoindre sur Instagram. Et puis comme ça c'est fait, nous on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.